Bonjour, chers élèves. Grande est notre joie, comme toujours, de vous retrouver pour présenter un nouveau cours, un cours de chimie portant sur les propriétés des réactions nucléaires. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler, donc vous présenter l'OS3.2, caractériser les réactions nucléaires et les noyaux radioactifs. Alors, c'est quoi une réaction nucléaire? Une réaction nucléaire est une réaction ou une transformation au sein d'un noyau atomique. Une réaction nucléaire. Nucléaire est une transformation au sein d'un noyau atomique. Et au niveau des réactions nucléaires, il y en a de deux types. Donc, type de réaction nucléaire. Il y a deux types de réactions nucléaires. Il y a des réactions nucléaires que nous disons spontanées. Donc, qui sont naturelles, qu'on appelle aussi radioactivité. Et il y a des réactions nucléaires qui sont provoquées par l'homme, donc qui sont artificielles. Donc, nous avons des réactions nucléaires naturelles, spontanées. Nucléaires spontanées. Ou radioactivité. Et nous avons les réactions nucléaires provoquées ou artificielles. Voilà ces deux types. Maintenant, qu'est-ce qui différencie une réaction nucléaire spontanée d'une réaction nucléaire provoquée ou artificielle? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Donc, 2.1, réaction nucléaire spontanée. Ou radioactivité. La réaction nucléaire spontanée ou la radioactivité est la désintégration spontanée d'un noyau instable. C'est la désintégration spontanée d'un noyau instable avec émission d'une particule sous forme d'énergie et, pardon, une particule sous forme de rayonnement et d'énergie. Donc, le noyau qui est là, qui est instable, qu'on appelle noyau père, à une date T donnée, il se désintègre. Il produit un noyau fils, il produit une particule avec libération d'énergie. Donc, on appelle radioactivité
la désintégration spontanée, désintégration ou cassure, hein? Cassure spontanée, spontanée ou cassure d'un noyau instable, avec émission d'une particule sous forme de rayonnement et libération d'énergie. Donc on le répète pour donner le temps de prendre note. On appelle radioactivité la désintégration ou cassure spontanée d'un noyau instable avec émission d'une particule sous forme de rayonnement et libération d'énergie. Alors, les particules, quelles sont les particules qui sont libérées? Comme particules, nous avons comme particules la particule alpha, qui n'est autre que le noyau d'hélium, donc représenté par son symbole HE. Le nombre de masse est A et le nombre de charge c'est 2. Nous avons la particule bêta moins, qui n'est autre que l'électron, nous avons la particule bêta plus, qui n'est autre que le positon ou le positron. Et enfin, nous avons les photons gamma. Donc voilà ce que nous pouvons avoir comme particules au cours d'une désintégration spontanée d'un noyau pair. On peut émettre la particule alpha, il peut avoir émission de la particule bêta moins, la particule bêta plus et du photon gamma. En ce qui concerne les réactions nucléaires artificielles ou provoquées, nous dirons ceci. Ce sont des réactions qui sont dues à des collisions entre noyaux. Les réactions nucléaires provoquées, ce sont des réactions qui sont dues à des collisions entre noyaux. Et ces réactions, comme leur nom l'indique, c'est l'homme qui les provoque. C'est pas spontané, c'est pas naturel, c'est artificiel. Et parmi ces réactions, nous avons la fusion et la fission.
Donc, nous avons donc les types de ces réactions. Nous avons la fusion et la fission. La fusion et la fission. Ce sont ces réactions-là qui sont qualifiées de réactions nucléaires provoquées. Mais c'est quoi la fusion? Comment on peut définir la fusion? Comment on peut comprendre la fusion? La fusion est l'union. Est l'union de deux noyaux légers qui donnent un noyau lourd avec libération d'énergie. La fusion est l'union deux noyaux légers qui donnent un noyau lourd un noyau lourd avec libération d'énergie. Un exemple, on peut avoir la fusion des deux isotopes de l'hydrogène, notamment le deutérium. Deutérium et le tritium qui nous donne l'hélium et nous avons le neutron. Donc, la fusion de ces deux isotopes de l'hydrogène produit l'hélium et le neutron. Bien sûr, il y a de l'énergie, ça libère beaucoup d'énergie. Bien sûr, c'est appelé, on utilise, ceci est appliqué dans la bombe à hydrogène ou la bombe H. La fabrication de cette bombe utilise la procédure de la fusion. Outre la fusion, donc nous avons dit qu'il y avait aussi la fission. La fission qui est utilisée pour des noyaux qui sont dits fissibles. Donc en fission, on a la cassure. La fission peut être comprise comme la cassure d'un noyau lourd en deux ou plusieurs noyaux légers, avec libération d'énergie. Donc cette cassure, c'est sous l'impact d'un neutron, tout simplement. Donc nous dirons ceci, que la fission, c'est la cassure d'un noyau lourd. La fission est la cassure d'un noyau lourd sous l'impact d'un neutron en deux ou plusieurs noyaux légers. Avec émission d'énergie, avec libération d'énergie. La fission est la cassure d'un noyau lourd sous l'impact d'un neutron en deux ou plusieurs noyaux légers.
en deux ou plusieurs noyaux légers avec libération d'énergie. Avec libération d'énergie. On peut prendre un exemple. On prend donc le neutron. On a le neutron qui vient impacter l'uranium-238 et de l'autre côté, on obtient le barium. Le barium et le krypton. Ça consiste 92 36 et libération de 6. Nous allons réécrire cela, ceci, parce que problème d'espace. Donc, nous disions que le neutron de charge nulle et donnant le masse A vient impacter l'uranium-238 on obtient le barium et le krypton, néo de barium, néo de krypton, plus 6 neutrons. Et les neutrons qui sont libérés de l'autre côté là-bas peuvent aller aussi impacter d'autres noyaux d'uranium et ça crée une réaction en chaîne si on ne limite pas l'efficacité des neutrons. Et c'est cela le processus de la bombe atomique, en fait. Il y a une réaction en chaîne qui se crée. Un neutron impacte l'uranium, produit deux noyaux, plus beaucoup de neutrons qui vont eux aussi à leur tour impacter d'autres noyaux d'uranium, et ainsi de suite. Et cette réaction libère beaucoup d'énergie. Et si bien que pour freiner cette réaction, donc on limite l'efficacité des neutrons. Ceci étant, nous allons avancer. Nous allons donner l'équation des réactions nucléaires. Équation des réactions nucléaires. Donc, nous avons au départ des noyaux que l'on pourrait dire pairs. Qui réagissent. Et de l'autre côté, nous avons les noyaux fils. Plus de l'énergie. Ces réactions nucléaires obéissent à des lois. Ça ne se fait pas au hasard. Il y a des lois qu'on appelle des lois de conservation. Ces lois sont au nombre de 4. Nous avons la loi de conservation
du nombre de masses, nombre de nucléons, la loi de conservation du nombre de charges, la loi de conservation de la quantité de mouvement, et enfin, la loi de conservation de l'énergie totale. Donc, les réactions nucléaires qui ont lieu respectent des lois très, très précises. De conservation d'un nombre de masses et de charges, et de charges, la loi de conservation nombre de masse et de charge. Le nombre de masse, nous avons donc A1 plus A2 qui est égal à A'1 plus A'2, etc. De même, on a Z1 plus Z2 qui doit être égal à Z'1 plus Z'2, etc. Donc, les nombres de masse sont conservés, les nombres de charges sont aussi conservés. Donc, il y a la conservation de la quantité de mouvement, ou la loi de conservation de la quantité de mouvement. Ça veut dire que la somme des quantités de mouvement au départ, donc initiale, doit être égale à la somme des quantités de mouvement finale. La quantité de mouvement étant la grandeur P égale à la masse fois la vitesse. P égale à mv. Et donc, en partant de l'équation qui est donnée ci-dessus, on devrait avoir P1 plus P2 égale à P'1 plus P'2 plus etc. Ensuite, la conservation de l'énergie totale. L'énergie totale qui se retrouve sous forme d'énergie cinétique des produits et est due au fait que la masse des produits est inférieure à la masse des réactifs. Et donc, voici citer les quatre lois de conservation d'une réaction nucléaire. Nous allons essayer de donner plus de détails en ce qui concerne les réactions nucléaires spontanées. Donc, on va dérouler, parler des réactions nucléaires spontanées, spécifiquement.
Nous avions dit au début, tout au début, que les réactions nucléaires spontanées, une réaction nucléaire spontanée est tout simplement la désintégration ou la cassure d'un noyau instable avec émission d'une particule et libération d'énergie. Et les particules, nous avions cité la particule alpha, la particule bêta moins, la particule bêta plus, et nous avions le photon gamma. Et donc, dans le cas des trois premières particules, à chaque particule correspond donc une radioactivité. Donc, nous avons une radioactivité alpha, une radioactivité bêta moins, une radioactivité bêta plus. La radioactivité bêta plus est propre aux radioéléments artificiels. Donc, ceux qui sont concernés par cette radioactivité sont des noyaux artificiels. La radioactivité alpha, bien sûr, c'est le noyau d'hélium. Alpha étant le noyau d'hélium. Et dans le cas du photon gamma, ce photon gamma-là accompagne ces trois types de radioactivité lorsque le noyau fis est obtenu à l'état excité. Et en se désexcitant, donc en revenant à l'état fondamental, il libère donc le photon gamma. Donc, nous avons au 5.1 la radioactivité alpha. La radioactivité alpha. Qui est plus le propre des noyaux lourds, les noyaux dont le nombre de masse est supérieur ou égal à 200. Elle est propre aux noyaux lourds et son équation, l'équation de cette réaction s'écrit nous avons donc le noyau fils, le noyau père, pardon, qui produit le noyau fils, plus la particule et l'énergie. Donc le premier là, c'est le noyau père, qui est instable. Le deuxième, c'est le noyau fils, qui est un peu plus stable que le noyau père. Et nous avons la particule alpha. Alors, d'après les lois de conservation, des nombres de masse et de charge, nous aurons, au regard de cette équation, A égale à A prime plus 4, Z égale à Z prime plus 2. Ceci nous permet de connaître, connaissant le noyau fils, connaissant son nombre de masse et son nombre de charge, de déterminer le nombre de masse du noyau fils et le nombre de masse du noyau, le nombre de charges du noyau fils, connaissant donc le A du noyau père et son nombre de charges. Donc, ce qui nous permet de déduire que A prime égale à A moins 4 et Z prime égale à Z moins 2. Donc, cette radioactivité-là conduit à une baisse de 4 unités au niveau du nombre de masse et de 2 unités au niveau du nombre de charges. Donc, à la fin, nous avons donc A, AZ, X, qui nous donne A moins 4, Z moins 2, Y, plus
4,2 HE plus l'énergie. Nous pouvons prendre un exemple. On peut prendre un exemple simple. Nous avons le polonium, le noyau du polonium. Le noyau du polonium 210-84 PO nous produit donc, il est émetteur alpha. Émetteur alpha, donc produit un noyau fixe quelconque, hein, Y, A, Z, et on a la particule alpha, et il y a de l'énergie libérée. Donc, de ce qui précède, nous on peut déjà connaître le nombre de masses et le nombre de charges du noyau fixe. Ça veut dire que ce sera A', c'est A moins 4, donc 210 moins 4, ça nous fait 206. Et Z' moins 2 nous donne 82. Voilà. Et si on regarde le tableau périodique, l'élément dans le Z égale à 82, c'est le plomb. Donc 206, 82 Y, c'est notre que ici le noyau de plomb. Donc, le polonium 84-210, émetteur alpha, produit le plomb. 206-82, et libère aussi la particule alpha et beaucoup d'énergie. Voilà un exemple simple. Alors, si nous voulons avoir la vitesse d'émission ou la relation entre la vitesse du noyau fixe et de la particule alpha, nous allons appliquer la loi de la conservation de la quantité de mouvement. La loi de la conservation de la quantité de mouvement. Qui nous permet donc d'écrire ceci. Donc, conservation de la quantité de mouvement. Nous avons la somme des quantités de mouvement et le noyau de départ égale la somme des quantités de mouvement et le noyau qu'on obtient à la fin. Au départ, on a un noyau fixe, donc sa quantité de mouvement, noyau pair, pardon, égale à la quantité de mouvement du noyau fixe plus la quantité de mouvement de la particule alpha. La quantité de mouvement étant égale au produit de la masse fois la vitesse, nous aurons mx vx égale à my vy plus M alpha, V alpha. Généralement, le noyau pair est immobile, il est au repos. Puis, il se désintègre, donc il se casse, et donc Vx égale à vecteur nul, la vitesse du noyau pair au vecteur nul, et donc nous aurons
MY VY, MY VY, plus M alpha V alpha égale au vecteur nul. Alors, quand le père se désintègre, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc, il libère. D'un côté, il y a la particule alpha. De l'autre, on a le noyau fils. Donc, si on fait un schéma simple, nous avons en fait ceci. Il est immobile au départ, à l'instant t, quand c'est comme initial, donc à t égale à 0. Le père se casse, se désintègre. Il va libérer le noyau fils et une petite particule, la particule alpha. Donc nous avons Vx, nous avons V alpha. Et donc, si nous on projette ces vitesses-là, ces vecteurs vitesse sur l'axe du mouvement, nous aurons donc, par rapport au sens que nous avons proposé, on aurait M alpha V alpha moins MY VY égale à 0. Ce qui nous permet donc d'écrire que M alpha V alpha égale à MY VY. Si nous voulons déterminer la vitesse de Y en fonction de la vitesse de alpha, nous aurons donc M alpha sur MY fois V alpha. Donc voilà donc la relation qui lie la vitesse du noyau fils, vitesse de sortie du recul du noyau fils et la vitesse d'émission de la particule alpha. Donc, par rapport à ceci, nous avions dit aussi au départ que la masse, la radioactivité alpha concerne les particules, concerne des noyaux dont le nombre de masse est supérieur ou égal à 200. Et la particule alpha, sa masse, c'est à peu près 4 unités de masse atomique. Celle de Y, c'est à peu près 200 unités de masse atomique. Donc, V de Y serait égal à 4 sur 200 V alpha. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Nous constatons que la vitesse de recul du noyau fils est négligeable devant la vitesse d'émission de la particule alpha. Est négligeable devant la vitesse d'émission de la particule alpha. D'un côté, nous avons cette relation. De l'autre, en appliquant donc la conservation de la quantité de l'énergie, cette réaction, nous avions dit, elle est exo-énergétique. Ça libère beaucoup de chaleur. Et l'énergie libérée est due au fait que la somme des masses du noyau fils et de la particule alpha est inférieure à la masse du noyau père. Donc, il y a un défaut de masse. Et à ce défaut de masse, on peut corréler donc une énergie, qui est l'énergie libérée ici. Puisque nous avions dit en amont que il y a une relation, bien sûr, entre l'énergie et la masse. Donc, conservation de l'énergie l'énergie donc libérée
est égale à la somme, ça se retrouve sous forme d'énergie cinétique du fils, neuf fils, et de la particule alpha. Le Dauper, nous l'avions dit, il est au repos. Et cette énergie libérée est due au fait que la masse du fils, noyau fils, plus la masse de la particule alpha, cette somme-là est inférieure à la masse du noyau père. La somme des masses du noyau fils et de la particule alpha est inférieure à la masse du noyau père. Ce qui fait que nous avons une perte de masse qui est égale à la différence entre la masse du noyau père et la somme des masses des noyaux fils et de la particule alpha. On a une perte de masse delta M. Donc à cette perte de masse, on peut relier donc comme le E, énergie libérée, égale à cette perte de masse fois C au carré. Donc énergie libérée pour nous, c'est la masse du père, noyau père, moins la masse du noyau fils, plus la masse de la particule alpha, multiplié par le carré de la célérité. Le carré de la célérité. Et nous revenons sur les éléments suivants. Donc l'énergie, bien sûr, pour nous, l'énergie, c'est en joules, hein. C'est l'unité du système international. Et les masses, c'est en kilogrammes. Et c'est la célérité, donc la vitesse de la lumière, c'est en mètres par seconde. La célérité, c'est égal à 3, que multiplié 10 puissance, 8 mètres par seconde. Mais l'unité qui est couramment utilisée, donc dans la facilité pour mieux manipuler, plus facilement manipuler, c'est les grandeurs obtenues, on utilise le méga électron volt. 1 méga électron volt égale à 10 à la puissance 6 électron volt, donc est égal à 1,6 que multiplié 10 puissance moins 13 joules. Étant donné que 1 électron volt, bien sûr, égale à 1,6 que multiplié 10 puissance moins 19 joules. Et donc, cette énergie-là, libérée, se retrouve sous forme d'énergie cinétique, nous l'avions dit, de la particule alpha et du noyau fils. Et donc, si nous voulons déterminer la vitesse d'émission de la particule alpha, étant donné que le noyau fils est très lourd, nous allons montrer qu'en fait, toute l'énergie libérée se retrouve quasiment sous forme d'énergie cinétique de la particule alpha, vu la masse élevée du noyau père. Donc, nous allons établir cela. Donc déjà, nous avions établi que la vitesse de recul du noyau fils était égale au produit de la masse de la particule alpha fois la vitesse de la particule alpha sur la masse du noyau fils. D'autre part, l'énergie libérée, se retrouve sous forme d'énergie cinétique du noyau fils et de la particule alpha. Or, l'énergie cinétique du noyau fils, est égal à, pour expression demi, de la masse du noyau fils pour la vitesse du noyau fils au carré. Si nous remplaçons cette vitesse-là par ce qui est donné au-dessus, nous aurons donc un demi de my
M alpha V alpha M alpha M Y pardon. Fois V alpha, le tout au carré. Donc, l'énergie cinétique du noyau fils est égale à 1 demi de la masse du noyau fils fois le carré de la masse de la particule alpha sur le carré de la masse du noyau fils multiplié par le carré multiplié par le carré de la vitesse d'émission de la particule alpha. Et là, donc, on peut simplifier les expressions, ce qui nous permet d'avoir donc ceci. Nous aurons donc un demi de la masse, le carré de la masse de la particule alpha sur la masse du noyau fils fois le carré de la vitesse d'émission de la particule alpha. Alors, on peut réarranger ceci. On peut écrire, on aura la masse de la particule alpha sur la masse du noyau fils, qui sera un facteur de l'énergie cinétique, en fait, de la particule alpha. Parce que 1 demi de M alpha fois le carré de la vitesse, c'est l'énergie cinétique de la particule alpha. Donc, l'énergie cinétique du noyau fils, c'est le rapport de la masse, des masses particules alpha et noyau fils avec l'énergie cinétique de la particule alpha. Cette expression ainsi établie, que nous pouvons appeler par l'expression numéro 2, nous pouvons prendre donc le 2, on va ramener dans le 1, c'est-à-dire que nous allons remplacer l'énergie cinétique du noyau fils par l'expression que nous avons établie. Nous aurons ceci, l'énergie libérée égale à l'énergie cinétique de la particule alpha plus le quotient des masses alpha y fois l'énergie cinétique de la particule alpha. Ce qui nous permet de mettre donc l'énergie cinétique de la particule alpha en facteur. Donc nous aurons 1 plus M alpha sur M Y. Et ce qui nous permet de déduire ainsi l'énergie cinétique de la particule alpha qui serait égale à l'énergie libérée sur la somme. Donc 1 plus le quotient des masses. Or, la masse de alpha est négligeable devant la masse de Y. Parce que la radioactivité alpha concerne des noyaux qui sont lourds, dont le nombre de masses est de l'ordre de 200. Alors que la masse de alpha est à peu près égale à 2, 4 unités de masse atomique. Donc, comme c'est négligeable, ça veut dire que le quotient M alpha sur MY est négligeable devant 1. Et donc, en appliquant ceci, cette approximation, on arrive à conclure que l'énergie cinétique de la particule alpha, c'est à peu près égal à l'énergie libérée. Donc, presque la quasi-totalité de l'énergie libérée est emportée par la particule alpha. La presque totalité. De l'énergie libérée est emportée par la particule alpha. Donc, une fois que nous avons
pu déterminer l'énergie libérée, on peut avoir la vitesse d'émission de la particule alpha, puisque l'énergie cinétique de la particule alpha, c'est 1 demi égale à 1 demi de m alpha de l'alpha carré. Donc pour nous, si on veut avoir la vitesse, on peut faire une opération simple. C'est 2 EC alpha sur la masse de alpha. L'énergie cinétique de alpha qui est à peu près égale à l'énergie libérée. Et ainsi, la vitesse d'émission de la particule alpha égale à la racine carrée de 2E sur M alpha. Et bien sûr, expérimentalement, il est démontré que la vitesse de alpha est inférieure à 0,4 C. Donc, la particule alpha n'est pas relativiste. Ceci est démontré par l'expérience. Nous allons poursuivre notre cours. Après avoir parlé de la radioactivité alpha qui est liée à la particule alpha, nous allons passer à la radioactivité bêta moins. Donc, radioactivité bêta moins. Bêta moins, c'est l'électron, tout simplement. Et donc, l'équation de la réaction, de cette réaction-là, nous permet d'écrire ceci. Nous avons donc le noyau père, avec ses nombres de masse et de charge, se désintègre et produit le noyau fils. Et l'électron et libération d'énergie. Et donc, les lois de conservation des nombres de masse et de charge nous permettent d'écrire ceci. D'après la conservation. Des nombres de masse et de charge nous aurons A égale à A prime et Z égale à Z prime moins 1. Donc, en fait, à la fin, la radioactivité bêta moins conserve le nombre de masse. C'est inchangé. Vous voyez, A égale à A prime. Mais, il y a une augmentation d'une unité du nombre de charges Z. Ce nombre de charges augmente d'une unité. Donc, on peut aussi réécrire donc cette équation. AZ, X, donne A, Z plus 1, Y, plus l'électron et avec libération d'énergie, beaucoup d'énergie. Mais lorsque nous appliquons la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie,
Il y a, on se rend compte qu'il y a l'apparition d'une seconde particule. Pour respecter toutes les lois, là, c'est la conservation du nombre de masses et de charges. Mais quand on applique la conservation de la quantité de mouvement et de nombre et de l'énergie, il y a une autre particule. Cette particule que nous appelons tout simplement la particule l'antineutron. Il y a une seconde particule, l'antineutron, qui a des caractéristiques suivantes. Donc, on y aura une deuxième particule ici, pour respecter toutes les lois. L'antineutron, le symbole, c'est mu. Voilà. Ça, c'est l'antineutron. Antineutron. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'antineutron? Quelles sont ses caractéristiques? La toute première caractéristique. L'antineutron est neutre. L'antineutron, il est neutre. L'antineutron a une masse nulle. Il a une masse nulle. L'antineutron n'a pas d'interaction avec la matière. Pas l'interaction avec la matière. Puisqu'on ne l'observe pas, l'antineutron n'est pas observé. Donc, il est neutre, sa masse est nulle, il n'a pas d'interaction avec la matière. Et donc, l'équation globale s'écrira à, vous êtes complète, nous dirons, donne A, Z, plus 1, Y, plus l'électron, plus l'antineutron, et plus l'énergie. Voilà. Mais si vous êtes vigilant, il doit y avoir une deuxième préoccupation, puisque là, nous parlons des noyaux, ce sont des réactions nucléaires. Et le noyau ne contient pas d'électrons. Vous le savez, dans le noyau, nous trouvons les nucléons, donc les protons et les neutrons. Mais d'où vient l'électron qui est libéré? C'est une question fondamentale. D'où provient cet électron, alors que c'est le noyau? Le noyau ne produit pas d'électrons, puisqu'il n'en contient pas. Alors, l'électron libéré provient en fait de la désintégration du neutron, tout simplement. Le neutron qui est dans le noyau se désintègre et il va produire l'électron. Selon l'équation suivante, donc l'électron libéré, nous disons, l'électron libéré provient de la désintégration du neutron. Le neutron qui est dans le noyau. Selon l'équation suivante, donc, nous avons le neutron qui se désintègre, il produit le proton et il y a l'électron plus, bien entendu, l'antineutron et libération d'énergie. Donc cette équation-là, c'est
Cette transformation, c'est elle qui explique l'apparition, l'émission de l'électron, qui n'est autre que la particule bêta moins. Nous pouvons prendre donc un exemple. Hein. On va prendre un exemple pour illustrer tout ce qui est dit. Nous avons le carbone 14, émetteur bêta moins, donc libère l'azote. Les lois, vous les connaissez déjà, on n'y revient pas. Et nous avons l'électron, et nous avons l'antineutron et de l'énergie. Vous remarquez que les nombres de masses sont respectés. Donc, la loi de conservation des nombres de masses et de charges. On a 14 et 14. On a 6. De l'autre côté, on a 7 moins 1 qui donne aussi 6. Le carbone 14 est radioactif bêta moins. Ceci nous permet de passer à la radioactivité bêta plus. Deux, on va parler de la radioactivité bêta plus. La radioactivité bêta plus, nous l'avions dit tantôt, est propre aux radioéléments artificiels. Ça ne concerne pas les radioéléments dans des éléments radioactifs naturels. Et la particule bêta plus n'est autre que le positon. On l'appelle positon ou le positron. Et il est symbolisé par ceci. Voilà. La radioactivité bêta plus. Bêta plus, c'est la particule qui est le positon. Et l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, s'écrit. On a comme toujours le noyau paire qui, à un instant T donné, il se désintègre et produit le fils. Et il produit la particule. Et il y a libération d'énergie. Et d'après les lois de conservation des nombres de masses et de charges, nous aurons d'après les lois de conservation des nombres de masse et de charge, nous aurons ceci. A égale à A prime plus 0. Z égale à Z prime plus 1. Et donc, on a A égale à A prime. Z prime égale à Z moins 1. Bêta plus, c'est la particule appelée positon ou positron qui est symbolisée par ceci. L'électron, charge nulle, masse nulle, nombre de masse nulle et charge plus 1. Et l'équation de la réaction de la désintégration bêta plus, l'équation de la réaction nous permet d'écrire ceci. Nous avons, comme toujours, au départ, le fils, le père, pardon, le noyau père. Le noyau père produit le noyau fils et il libère la particule qui est pour nous ici le positon et de l'énergie. Et les lois de conservation des nombres de masse
et de charge nous permettent d'écrire ceci. A égale à A prime plus 0, les A, et Z égale à Z prime plus 1. Donc, finalement, nous avons A prime égale à A, et nous avons Z prime égale à Z. Z moins 1. Donc, la radioactivité bêta plus conserve le nombre de charges, nombre de masse, pardon, et baisse d'une unité le nombre de charges. Donc, nous aurons, si on remplace ici, A, Z, X, qui donne A, Z plus 1, Y, plus le positon et l'énergie libérée. Pour les mêmes raisons que précédemment, donc, outre la loi de la conservation des nombres de masse et de charge, nous avons aussi la conservation de l'énergie et la conservation de la quantité de mouvement. Et pour que ces lois soient respectées, il y a l'apparition d'une autre particule, le neutrino, symbolisé par ceci. On a le neutrino qui a la même caractéristique que l'antineutron. Finalement, l'équation globale s'écrira, l'équation bilan global. On a A, Z, X qui donne A, Z plus 1, Y, plus le positon, plus le neutrino, plus de l'énergie. On va prendre un exemple. Donc ici, nous avons donc l'équation. On va donner un exemple. Nous prenons le phosphore. On prend le phosphore. Le phosphore qui donne le silicium, le nœud de silicium. En libérant donc le positon et le neutrino plus l'énergie. Ça, c'est le noyau de phosphore. Noyau de phosphore. Là, nous avons le noyau de silicium. Nous avons le positon et puis le neutrino et l'énergie. Donc voilà donc les trois types de radioactivité. Radioactivité alpha, bêta moins, bêta plus. Maintenant, nous avons un rayonnement, appelé rayonnement gamma, qui accompagne ces trois types de radioactivité. Le rayonnement gamma, dû au fait que lorsque ces noyaux fils, lorsque les noyaux fils obtenus ici, lors des radioactivités, sont obtenus à l'état excité, l'état excité, c'est un état qui n'est pas stable. Il est instable. Le noyau fils aura tendance à revenir à l'état fondamental. Et il libère donc le photon gamma. Donc, nous avons le rayonnement gamma. Un 4, rayonnement gamma. Le rayonnement gamma qui n'est autre que, qui est constitué de photons. Nous avons dit tantôt que les photons sont des particules de lumière. Vous le savez. La lumière est constituée des grains de lumière qu'on appelle des photons. Chacun ayant une énergie, transportant une énergie H mu. Donc. Le rayonnement gamma accompagne
le rayonnement gamma accompagne les radioactivités alpha, bêta moins et bêta plus. Origine, ce rayonnement gamma, le rayonnement gamma provient, le rayonnement gamma ou encore photon gamma provient de la désintégration la désexcitation de la désexcitation du noyau fils lors de son retour à l'état fondamental. Donc, si j'ai le père, non, j'ai le fils qu'on symbolise avec un astérix, donc à l'état excité, le fils va revenir à l'état fondamental et il va libérer le photon gamma. Donc ça, c'est le noyau fils à l'état excité. Noyau fils à l'état excité. Obtenir l'état excité et là il est à l'état fondamental. Noyau fils à l'état fondamental. Et photon gamma. Poursuivons notre cours. Nous allons avancer. Et nous allons vous parler maintenant de la loi de la désintégration radioactive. Comment est-ce que les noyaux se désintègrent? Quelle est la loi qui régit cette désintégration-là? Donc, 6, loi de la désintégration radioactive. Si à l'instant t égale à 0, nous avons un nombre de noyaux N0, nombre de noyaux à l'instant initial, donc à un instant donné que nous considérons comme l'instant initial, et le nombre de noyaux à cet instant-là, c'est N0. Donc, pour nous, c'est l'instant T égale à 0. Et N, le nombre de noyaux au bout d'un temps donné, au bout d'une durée donnée, nombre de noyaux restants
le noyau restant au bout d'une durée T, nous parlons, bien entendu, vous l'avez compris, d'un échantillon radioactif. On prend un échantillon radioactif, à un instant T, considéré comme instant initial, on suit l'évolution, et au bout d'un temps T, d'une durée T, il y aura un nombre de noyaux qui va rester, puisqu'il y a une partie qui va se désintégrer. Et donc, N étant le nombre de noyaux restants, et l'évolution, donc le nombre de noyaux restants, est égal au nombre de noyaux initial exponentielle de moins lambda t. Donc l'évolution des noyaux obéit à cette règle-là. N égale à N0 exponentielle de moins lambda t. Lambda, qui dépend du radionucléide, est appelée constante. Constante radioactive. Constante radioactive. Bien sûr, si le temps il est en secondes, ben, lambda s'exprime, aura pour unité, s'exprime en secondes moins 1. Lambda, c'est la constante radioactive. Donc, pour trouver le nombre de noyaux désintégrés, puisque ça, c'est le nombre de noyaux qui reste. Au départ, on a un échantillon, une partie se désintègre, l'autre reste. Donc, le nombre de noyaux initiaux, c'est la somme du nombre de noyaux désintégrés et ce qui reste. C'est-à-dire que pour nous, le nombre de noyaux désintégrés, qui est parti, donc, qui a produit ce que nous avons, c'est N moins N, N0 moins N. Donc, on a N0 moins N, N étant égal à N0 exponentielle de moins lambda T. On a N0 moins N0 exponentielle de moins lambda T. Ce qui nous permet d'avoir cette expression-ci, le nombre de noyaux désintégrés égal à N0 facteur de 1 moins exponentielle de moins lambda T. ND, nombre de noyaux désintégrés. Après la loi de la décroissance radioactive, nous pouvons déterminer la période des radionucléides, la période de demi-vie. La période qui étant la durée qui peut être comprise comme la durée grande T, au bout duquel la moitié des noyaux existants dans un échantillon radioactif à un instant T initial se désintègre. Donc, c'est la période radioactive. Ou demi-vie. Et c'est T, grand T. La période est représentée par, c'est une durée. La durée est grand T. On appelle période des radionucléides la durée nécessaire
pour que la moitié des noyaux, initialement, pour que la moitié des noyaux initialement présents, dans la préparation ou dans un échantillon, se désintègre. Les noyaux là se désintègrent. Nous le répétons, on appelle période des radionucléides la durée T nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présents de la préparation se désintègre. Alors, quelle est l'expression de la période radioactive? Nous repartons, nous reprenons la loi de la décroissance radioactive. Donc, les noyaux décroissent exponentiellement en fonction du temps. Si on arrive à l'instant grand T, donc si le temps ici, petit t égale à grand T, donc si on est à la période, le nombre de noyaux N qui reste, ce sera N0 moins la moitié, puisque c'est le temps au bout duquel la moitié est partie. Et donc, il va rester N0 sur 2. Et en remplaçant ici, on aurait N0 sur 2 égale à N0 exponentielle de moins lambda grand T. Bien sûr, on a N0 de part et d'autre. Donc, on peut simplifier. Nous aurons exponentielle de moins lambda T égale à 1/2. Et nous allons composer. Parce que nous voulons avoir l'expression de la période. Donc, nous allons composer avec la fonction logarithme. Puisque les deux sont des réciproques. Logarithme et l'exponentielle. Parce que le logarithme, juste pour rappel, une propriété, le logarithme de l'exponentielle de x, c'est égal à x. Tout comme exponentielle de logarithme de x égale à x. Donc, étant donné que la période est en puissance, nous allons donc le prendre en composant la fonction logarithme népérien. Donc, on a ln d'exponentielle de moins lambda t égale à le logarithme de 1/2. Ici, on aura donc moins lambda t égale à moins ln de 2. Étant donné, on rappelle aussi une propriété que le logarithme de a sur b, c'est égal au logarithme népérien de a moins le logarithme népérien de b. Donc, on aura ln de 1 moins ln de 2. Or, le logarithme népérien de 1 égale à 0. Voilà pourquoi le logarithme de 1/2 nous donne simplement le moins ln de 2. Et donc, nous allons remplacer ici. Nous allons déduire, pardon. On va déduire la période en partant de l'expression moins ln, moins lambda t égale à moins ln de 2. Finalement, la période radioactive sera égal à ln de 2 sur lambda. Voilà, la période L s'exprimant en secondes. C'est l'unité légale du temps. C'est une durée, c'est le temps. Si, bon, l'inconnu ici, bien sûr, c'est la constante radioactive, mais si nous avons la période et qu'il faut déduire la constante radioactive, on aurait simplement lambda serait égal à ln de 2 sur la période. Tout simplement. Les deux étant inversement proportionnels. Et bien sûr, la période s'exprimant en secondes,
Ben, la constante radioactive s'exprimerait en secondes moins 1. Ils sont inversement proportionnels. Donc, nous avons ainsi la période et nous allons passer à l'activité. L'activité radioactive. Nous sommes toujours dans le même OS. Oui, activité radioactive. Activité d'un noyau. Nous allons définir l'activité. Et on va déterminer aussi son expression. Alors, qu'appelle-t-on activité d'un noyau? Un noyau, bien entendu, radioactif. On appelle activité d'une source radioactive, radioactive, source radioactive. Le nombre de désintégrations, par unité de temps. On appelle activité d'une source radioactive le nombre de désintégrations par unité de temps. Alors, la détermination de l'activité. Détermination de l'activité. Détermination. De l'activité. Donc, on a A, l'activité. Le symbole, c'est A. C'est l'opposé de la dérivée de N par rapport au temps. Bon, nous allons expliciter ceci. N égale à N0. Exponentielle de moins lambda t. Juste pour rappel que n, c'est le nombre de noyaux restants. Un instant t, n0, c'est le nombre de noyaux initiaux. Dans un instant t pris comme le temps, l'instant initial. Et donc, on va remplacer n ici par son expression donnée. Nous aurons a égale l'opposé de la dérivée n0 exponentielle de moins lambda t. Nous dérivons par rapport au temps. Juste pour rappel, la dérivée. Donc, si j'ai l'exponentielle, par exemple, de u, quand je dérive, j'aurai u prime exponentielle de u. Donc, si j'ai l'exponentielle de u, la dérivée, c'est ceci. Donc, on va appliquer cette propriété-là. N0 est une constante. Donc, on la sort, n0. Nous aurons la dérivée de l'exponentielle de moins lambda t par rapport au temps. U, pour nous ici, c'est moins lambda t. Quand nous dérivons moins lambda t par rapport au temps, nous aurons juste moins lambda. Nous aurons juste moins lambda. Moins lambda exponentielle de moins lambda t. Donc, on aura
U prime, donc moins lambda, puis exponentielle de moins lambda t, donc exponentielle de U. Attention, on a un signe négatif ici. Donc, nous aurons, en réarrangeant, on aura lambda N0 exponentielle de moins lambda t. Voilà l'expression de l'activité. D'autre part, qu'est-ce qu'on constate? Nous savons que N0 exponentielle de moins lambda t n'est autre que N. Donc, on peut aussi écrire que A égale à lambda N. Donc, l'activité, c'est le produit de la constante radioactive par le nombre de noyaux à un instant T quelconque. Ça, c'est l'activité à un instant T quelconque. Maintenant, si nous voulons avoir l'activité à un instant T égale à zéro, donc, au début, puisque l'activité varie avec le temps, si on a une source radioactive, l'activité à un instant T quelconque ne sera pas la même que à l'instant T égale à zéro. Et par similitude, A, 0, l'activité à l'instant t égale à 0, égale à lambda N0. A0 égale à lambda N0. Ce qui permet d'établir une relation entre l'activité d'une source radioactive à l'instant t quelconque et son activité au début, à t égale à 0. Et donc de suivre ainsi l'évolution de l'activité dans le temps. Donc, A, nous reprenons A, A0 égale à lambda N0. A égale à lambda N0 exponentielle de moins lambda T. Donc, A serait égal à A0, A0 exponentielle de moins lambda t. Donc, connaissant l'activité à t égale à 0, on peut déterminer l'activité de cette source-là à un instant t. Cette activité décroît exponentiellement en fonction du temps. Alors, quelle est l'unité de l'activité? L'unité de l'activité, c'est le Becquerel. Le Becquerel qui est l'unité est le Becquerel. L'unité de l'activité est le Becquerel. On symbolise BQ. Mais on utilise aussi la désintégration par seconde. Donc un Becquerel égale à une désintégration par seconde. L'unité, c'est le Becquerel. La désintégration aussi par seconde. Et les deux sont corrélés. Un Becquerel, c'est une désintégration par seconde. Alors, ceci étant, nous pouvons faire quelques remarques. Nous allons faire quelques remarques. Nous savons que la quantité de matière N, c'est le rapport de la masse d'expérience sur la masse molaire moléculaire du composé. Mais c'est aussi égal au rapport du nombre de noyaux sur
le nombre d'Avogadro. Et donc, le rapport de petit M sur grand M égale à N sur le nombre d'Avogadro, ce qui nous permet d'avoir la masse d'une source radioactive à un instant T quelconque qui est égale à M N sur N. M, c'est la masse molaire. N, nombre d'Avogadro. Masse molaire atomique, nombre d'Avogadro, qui est l'ensemble de 6,02 que multiplie 23 particules identiques. Particules identiques. C'est peut-être des atomes, des molécules, des noyaux, ainsi de suite. Donc, je reprends, nous reprenons cette formule ici. M, c'est M, N sur le nombre d'Avogadro. Si on remplace N par son expression, M va nous donner M, N0 exponentielle de moins lambda T sur le nombre d'Avogadro. Donc, autant M égale à la masse molaire, nombre de noyaux sur le nombre d'Avogadro, à un instant T égale à 0, M0, l'échantillon, serait égal à M, N0 sur le nombre d'Avogadro. Et donc, vous voyez que ce qui nous permet d'établir une relation entre les deux, c'est-à-dire que on va remplacer tout ceci par M0, donc M égale à M0 exponentielle de moins lambda T. M égale à M0 exponentielle moins lambda T. Donc la masse aussi de la source radioactive évolue exponentiellement, décroît exponentiellement en fonction du temps. Elle décroît en fonction du temps de manière exponentielle. Si T c'est égal à grand T, donc nous aurons M égale à M0 exponentielle de moins lambda fois T. Lambda étant égal à au logarithme ln de 2 sur T, donc M égale à M0 exponentielle de moins T ln de 2 sur T. Et finalement, M égale à M0 exponentielle de ln de moins ln de 2 qui est égal à M 2 à la puissance moins 1. M égale donc à M0 sur 2. Donc, quand nous sommes arrivés à la période, ben, M, le nombre de la masse restante, c'est la moitié. On peut donc raisonner ainsi, c'est-à-dire que si T, cette fois-ci, égale à 2T, parce que là, on peut aussi écrire M0 sur 2 à la puissance 1. Donc, si T égale à 2T, on aurait M égale à M0 sur 2 au carré. Donc, égale à M0 sur 4. Maintenant, si T égale à NT, si T
va revenir par récurrence, hein, égale à NT. Donc, M serait égal à M0 sur 2 à la puissance N. Alors, on voit comment la masse vous montre décroît exponentiellement en fonction du temps, rapidement. Le raisonnement peut être appliqué aussi à l'activité. On peut l'appliquer à l'activité, comme c'est valable aussi pour le noyau, nombre de noyaux. Donc, ainsi prend fin notre cours de ce jour. On était très content de vous retrouver et on espère vous retrouver prochainement avec la même joie et pour la suite de notre cours. Merci, au revoir.